on est rendu mercredi. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, en fait, j'ai donné à Maëlia pour la première fois une toast moitié beurre de peanut, moitié Nutella. Et madame, elle a tout mangé! C'est-tu bon? Est-ce que c'était bon? Oui? Elle en a partout, mais c'est correct. Là, elle s'amuse avec son plat, fait qu'elle est tranquille pendant ce temps-là. Donc, c'est ça aujourd'hui. En fait, je n'avais pas vlogué pendant comme quelques jours. Ça m'a fait du bien, pas parce que je ne l'ai pas vlogué, mais j'ai essayé d'en profiter pour relaxer un peu. Cette semaine, c'est comme une semaine que j'ai pas vraiment de rendez-vous. Le seul rendez-vous que j'ai, c'est vendredi avec la psychologue, puis c'est par Zoom. Fait que j'ai pas à me déplacer. Fait que je pense que cette semaine, je vais quand même prendre ça relax. Puis hier, ça a été une journée catastrophique. Parce que Maëlia, elle voulait rien savoir d'écouter. Genre, rien. Comme que je vous ai déjà dit dans son Terrible 2, il y a des journées, ça va super bien. Il y a des journées, là. Pas que je regrette d'avoir des enfants, là, mais quasiment. Pour vrai, là. Hein, Maëlia? Hier, c'était pas une bonne journée, hein? Non. Pour elle, c'était pas drôle. Par chance que Noah James, il était tranquille, puis qu'il pleurait pas pour tout et rien, parce que je pense que je me serais mis dans un coin en petite boule, puis j'aurais pleuré. C'était vraiment pas nice. Non, c'est pas drôle. C'était pas drôle hier. Mais bon, aujourd'hui, je me suis dit, c'est une nouvelle journée, on va prendre ça positif, on va y aller une heure à la fois, cinq minutes à la fois, ou même une minute à la fois. Ouais? Tu fais la petite Jenny, là, tu le sais? C'est drôle. Donc, c'est ça. Puis hier, en fait, j'ai décidé, moi, des fois, là, je fais ça, je me lève. Puis sur des coups de tête, je suis quand même très impulsive dans la vie. Pis sur des coups de tête, je fais des moves. Puis hier, j'ai décidé que je mettais la bassinette de Noah James en chambre avec Maëlia. De toute façon, c'est déjà prévu comme ça que dans le fond, les deux enfants soient ensemble les premiers temps. Puis nous, en fait, on a l'option dans ma chambre que ma chambre est tellement grande que techniquement, c'est comme deux chambres en une. Fait que si on veut, on peut mettre un mur puis comme mettre les chambres là pour en faire deux. Puis nous, on prendrait la chambre des enfants. Pour l'instant, le temps qu'ils sont jeunes, on va les mettre dans la même chambre. Quoi? Tu veux que te voir? On va les mettre dans la même chambre, mais c'est ça, éventuellement, quand ils vont vieillir un peu, on va probablement les séparer. Mais gars, peut-être que rendu là, on n'aura même pas besoin de faire la séparation avec les murs et tout, parce qu'on va peut-être déménager. Je dis rien. Ça, c'est mon désir à moi, mais gars, on va voir. C'est drôle parce que justement, quand il y a eu le fameux incident avec les sofas en bas, Oli m'a dit « fuck off ». Il dit « finalement, j'ai même pas le goût de déménager, mettons l'année prochaine, whatever ». Il dit « ça a tellement été du trouble descendre le sofa ». Il dit « c'est pas vrai que je vais le remonter puis le déplacer ailleurs ». Est-ce qu'il a dit ça sur le coup de colère? Je sais pas, mais en tout cas, moi je garde mon point que je pense pas rester ici comme longtemps. Là, gars, ça fait quelques mois qu'on est ici, là. Mais tu sais, je me dis, est-ce que c'est parce que je suis dans une mauvaise passe, puis c'est pour ça que j'apprécie pas tant? Peut-être. Mais, on va voir, hein. Je vais voir avec les mois, là. Et, c'est ça. Fait que là, aujourd'hui, on a comme plan, ben, on. Hein? On, c'est juste maman. Dans le fond, j'avais fait une brassée de serviettes hier, fait qu'il me reste juste à les plier puis les ranger. Sinon, je me suis commandé sur Amazon un support mural pour TV. Puis j'aimerais vraiment ça l'installer dans ma chambre. Parce que j'ai dit à Oli que j'aimerais ça avoir la TV dans le fond dans ma chambre. Puis on en a une là, c'est juste qu'elle est comme serrée. Pour dans le fond la nuit ou le soir là, quand j'arrive pour aller me coucher, j'ai... T'sais, oui, je m'endors vite, mais c'est toujours plus fun avec un background. En tout cas, pour ma part, là, je sais qu'il y en a qui faut que ce soit le silence total.
Moi, non, on dirait que le fait que ce soit trop silencieux, ça m'angoisse. C'est con, c'est vraiment niaiseux. Mais c'est ça. Puis là, j'ai commencé à faire la méditation le soir. Fait que c'est. On verra, là. Mais tu sais, j'aime ça écouter comme la TV un peu dans le lit ou genre Netflix sur une TV, là, pas sur un laptop, là. Puis souvent, tu manques de batterie, là, en tout cas. Fait que c'est ça. Fait que c'est ce qu'on a à faire. Mon frère, il est censé venir durant la journée justement pour m'aider à installer le. À installer dans le fond le rack. Je l'ai pas reçu encore, je l'attends aujourd'hui. Fait que je sais pas quand ça va arriver, mais gars. Et je dois également faire un post sur Instagram d'une entreprise en fait qui m'a envoyé un produit. Fait que faut que je fasse ça. Alors soyez à l'affût de mes prochains posts Instagram. Puis c'est un truc de bébé. Fait que. Ben, ouais. Ouais, c'est quand même un truc de bébé. Bref, donc c'est ça. Puis là, on a reçu le deuxième récepteur parce que, comme que je l'avais dit, j'avais commandé un récepteur chez Bell parce que je suis plus capable du Fire Stick. Et on n'était pas capable de comme combiner le nouveau récepteur avec le Wi-Fi de la maison. Je comprends pas en fait, là. Ça marchait juste pas. Fait que là, j'ai contacté Bell, fait que là, ils m'ont renvoyé un nouveau récepteur, fait que là, faut que je renvoie celui-là, puis je vais essayer le nouveau en espérant que là, ça fonctionne. Parce que je trouvais pas ça drôle, là. T'sais, le but, c'est de remplacer le Fire Stick au PC, parce que c'est vraiment pas nice. Malgré que je me dis que si j'installe la TV en haut, peut-être que je remette le récepteur en haut. Qu'est-ce que mon amour? Tu veux débarquer? Oui, on va laver la bouche et les mains avant. Oh mon Dieu, ton chandail. Ton chandail! Ton chandail blanc! En plus, maman est en train de laver ton linge, là. Oh, bref. Fait que je vais la sortir de là. Enlève les mains de là. Je vais la sortir de sa petite chaise, puis je vous reparle plus tard. Moi, je viens de penser, je pense que j'étais en train de vous dire également tantôt, puis ça comme j'ai comme coupé ça. Hier, en fait, j'ai décidé de changer justement la chambre des enfants pour faire le switch. Et ça fait que dans le fond, j'ai mis la bassinette dans la chambre de Maëlia. Et hier, justement, en faisant le switch, j'avais comme déplacé le lit à Maëlia dans sa chambre. Puis on dirait qu'au début, elle était comme toute excitée, genre de que son lit, je le change de place. Fait que je me suis dit, yes, tu sais, ça va bien aller. Finalement, je suis arrivée à sa sieste et elle ne voulait pas dormir dans son lit. Fait que là, je me suis dit, est-ce que c'était le fait que j'ai changé le lit de place ou ça lui a donné qu'elle voulait tout simplement pas faire de sieste? Là, même que, là, après ça, il a fallu que je rechange son lit de bord parce qu'elle voulait rien savoir, grosse crise. Puis c'est ça, finalement, ça a terminé qu'elle a juste pas fait de sieste du tout. Fait que c'est ça. Fait que là, je me demande, est-ce que aujourd'hui, je réessaie de mettre son lit, merci Maëlia, de remettre son lit comme je l'avais fait hier, ou bien, qu'est-ce que tu fais bébé? Ou bien, je le laisse comme ça, puis je prends pas de chance parce qu'hier, pour rester à l'enfer, là, c'était vraiment pas cool. Je sais comme pas. Je sais pas si c'était vraiment le fait. Qu'est-ce que tu fais? Il y a un miroir juste là, fait qu'elle se regarde dans le miroir. Puis elle danse. Donc c'est ça. Fait que, tu sais, je me dis, est-ce que je prends les guesses de voir si c'est vraiment une question que c'est son lit que j'avais changé de place qui l'a complètement déboussolé? Ça se peut très bien. Ou bien c'est vraiment une question que maman est venue là. Elle voulait pas faire de sieste, mais on dirait que je me dis, est-ce que j'ai vraiment le goût de faire le test avec la journée de merde qu'on a passée hier? À matin, pour l'instant, ça va bien. Puis je touche à du bois. La table est en bois. Ben, c'est ça. Ah, Maëlia, qu'est-ce qu'on fait avec ton lit? Puis là, il a fallu que j'enlève son chandail puis que je le lave. Parce que mademoiselle avait mis du Nutella partout, partout, partout! Partout, partout, partout! Puis là, je voulais écouter aussi aujourd'hui des capsules de Wicked. Parce que je sais pas si vous connaissez ça, mais c'est comme une madame qui fait. Une madame. En tout cas, qui fait des genres de capsules pour nous aider avec les enfants, puis la discipline et tout. Puis, moi, pis mon chum, on s'était mis là-dessus, on avait commencé à écouter plein de capsules, puis on dirait que j'en arrêtais un peu. Ah, mais c'est parce que je pense qu'on a. C'est à cause qu'on a eu le petit.
Fait qu'on avait comme moins de piquant. Ah, c'est drette ça, je pense. En tout cas. Fait que, ouais, moi je vais m'y remettre. Si Oli veut pas les écouter avec moi pour l'instant, c'est pas grave. Moi je vais le faire parce que, honnêtement, avec deux enfants, il n'y a pas le choix d'avoir une bonne discipline. Puis il faut absolument que Maëlia l'écoute. Il faut absolument qu'il y ait des changements. Parce que je pense que je vais finir par craquer maintenant. Maman! C'est sûr. Puis probablement qu'en ce moment, je suis déjà en train de. Maëlia, lâche la manette. Je suis déjà peut-être rendue un petit peu trop loin. J'ai peut-être trop toléré, justement. Non, non, laisse ton frère faire dodo. Fait que c'est ça. Fait que je pense que je vais me remettre à. Qu'est-ce que tu fais? Touche pas, il fait dodo. Maëlia, on ne touche pas, il fait dodo. C'est ça, je vous dis. J'ai beau dire n'importe quoi, de n'importe quel ton, elle va continuer. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis si je l'enlève. À chiale comme ça. Genre, c'est de même à journée longue. En tout cas, fait que faut qu'on se trouve des trucs parce que c'est ça. On passera pas au travers. On passera vraiment pas au travers. Et, ah! Une autre affaire que je vais vous dire. Comme que vous savez, moi je déteste pour mourir l'Halloween. Alors, là, vu que l'Halloween c'est dans 3 jours, puis que j'ai déjà acheté des décorations de Noël, je pense qu'aujourd'hui je vais aller sortir, me sortir mes décorations de Noël. Je vais comme les mettre dans ma pièce en bas, dans mon bureau. Pour que dimanche, aussitôt que l'Halloween est passé, je mette les décorations de Noël. Pour vrai, là, j'ai tellement hâte à ce moment-là. J'ai tellement hâte. Puis je sais que mon chum ne veut pas nécessairement installer le sapin. Mais, gars, au pire, je le ferai tout seul. Bon, ben, il y a le réveiller le petit, fait que je vais aller le prendre. Honnêtement, y a-tu de quoi de plus chiant que d'avoir méga faim, que tu commandes sur Uber Eats, pis tu sais, t'as un genre de crave là. Puis j'avais un crave de Amir. Puis là, je reçois un message mentionnant comme quoi que ma livraison est livrée. Je regarde, pas au bon endroit. Je capote, je capote. Là, j'ai appelé le gars pis il me dit « Ah, c'est pas l'endroit où est-ce qu'il y a la Civic bleue? » Je suis genre... Non. Puis le pire, c'est que sur la photo, il prend juste en photo, genre le lunch. Il prend même pas la photo, genre la porte avec l'adresse. Fait que qui sait où est-ce que livrer, genre, ma bouffe. Puis ce qui arrive en plus, c'est que moi, sur ma rue, en fait, c'est comme une longue rue, mais pendant la rue, il y a un stop. Puis quand t'arrives au stop. Ça va, Lulu? Ça va, mon cœur? Bon. Puis quand t'arrives au stop, ben, c'est rendu une autre rue, tu sais. Ça va, mon cœur? Fait que c'est ça. Puis les livreurs, ben, ils se trompent tout le temps de même. Parce qu'ils comprennent pas que quand il y a un stop, techniquement, ça devient une autre rue. Ben, en tout cas. Tout dépendant où, mais ici, c'est quand même clair, mais en tout cas. Bref, fait que c'est ça. Fait que si c'est pas Uber Eats, c'est Amazon qui se trompe. Puis il faut tout le temps que j'aille chercher mes colis ailleurs. Puis tu sais, au début, je cognais là, pour aller chercher mes colis. Mais là, à un moment donné, là, quand que ça arrive souvent, ben tu sais, t'es comme gênée de cogner genre à la porte de la personne et de dire « Excuse-moi, j'ai cherché mon colis. » En même temps, je veux pas avoir l'air d'une voleuse. Mais Maëlia, lâche le chien, là, elle va te mordre. En tout cas. Fait que c'est ça. Fait que je sais pas si je vais manger finalement mon ami. Puis je sais comme pas trop quoi faire. Puis j'ai appelé le gars. Puis le gars, il dit « Je vais appeler le support, ok, mais ça me dit pas si ils vont me faire un remboursement ou est-ce qu'ils vont m'envoyer une nouvelle commande. » J'en ai aucune idée, puis j'ai méga faim. Bon, je vais aller tasser ma fille du chien parce qu'elle comprend pas que le chien va finir par la snapper, ça continue. Bon, mais finalement, je recevrai juste pas mon lunch. Et le gars, il a dit qu'il allait appeler le support. Fait que je sais pas qu'est-ce que ça va donner. Je sais pas s'ils vont me rembourser, whatever, ou s'ils vont vraiment appeler le support. Fait que ça m'écœure juste parce que c'est genre une affaire qui m'a coûté 25$. Fait que, tu sais, genre, mon repas valait comme 14$, puis avec tous le tip et les frais de transport, ça m'a revenu à 25$. Fait que c'est genre 25$ jeté à l'eau. Ça fait chier. Bref. Sur une note un peu plus positive, j'ai reçu un colis. C'est ce que j'aurais avec vous. Je
pense que c'est ce que... Je crois que je sais ce que c'est. Oh merde, c'est pas ce que je pensais. En fait, c'est parce que j'en attendais deux. Là, j'ai reçu... Oh my god, ok. Fait que je vais recevoir trois colis aujourd'hui différents. Le gars, il va dire, voyons. J'ai reçu mon support mural pour ma TV dans ma chambre. Mais c'est pas ça que je voulais vous montrer. Fait que je vais vous montrer tantôt mes autres colis quand je vais les recevoir. Ils devraient arriver dans pas tant long parce qu'il y avait juste une affaire de différence. Fait que c'est ça. Fait que je vais vous montrer l'autre tantôt. Bon, donc prise 2. Fait que ils viennent tout juste de me livrer. Je savais que ça s'en venait. C'est une affaire de comme 10 minutes d'intervalle. Ça a l'air full excitant, mais c'est pas tant excitant que ça. En tout cas, moi je trouve ça quand même excitant, mais pas pour tout le monde. Donc, j'ai acheté des petits trucs pour Maëlia. Parce qu'on dirait que là, en plus que l'hiver s'en vient, on va un petit peu moins sortir, je dirais. Là. Mais pas qu'on va moins sortir. Mais oui. Ok, moi j'aime Noël, ok? J'aime les décorations de Noël et tout ça, mais je déteste l'hiver. Ah! J'haïs le froid. Puis, j'essayais de trouver comme des jeux, comme un peu à l'intérieur. C'est sûr, je vais la sortir, là. J'ai acheté un saut d'hiver, des nouvelles bottes, puis tout le kit, là. Genre, on va y aller dehors, là. Mais il y a des journées qu'on va sûrement rester là-dedans. Ou des journées qui mouillent, ou whatever. Fait que j'ai acheté une couple de petites affaires. En fait, j'ai acheté des trucs sensoriels. Parce que Maëlie, elle aime vraiment ça, découvrir des choses et tout. Puis, je me souviens que quand j'ai acheté la pâte à modeler, écoute, encore aujourd'hui, là, ça fait peut-être un bon 2 mois que j'ai acheté la pâte à modeler, là. Depuis ce temps-là, là, comme, elle tripe bien raide. Là. Fait que je suis vraiment... je me suis dit, je vais y acheter d'autres trucs sensoriels, en fait. La dernière fois, j'avais fait un pot avec de la farine dedans. Hey, qu'est-ce que tu veux, là, toi? T'as déjà ta boîte? Lâche ma boîte! T'as ta boîte, j'ai ma boîte. Donc, c'est ça, fait que j'avais fait un pot, comme, avec de la farine dedans. Mais calvaire que... Ça fait du dégât. Ça n'a aucun sens. Fait que j'ai décidé d'acheter ça ici, qui est des perles d'eau qu'on appelle, je pense. Ouais. C'est genre minuscule, puis ça devient comme vraiment comme des grosses perles. Puis le toucher, la texture de ça, là, c'est fucky. Fait que c'est ça. Fait que je me suis dit que j'allais y en faire. Là, faut que je gauge comme du monde mes affaires, par contre, parce que. C'est des fois là c'est minuscule puis tu penses que genre il y en a pas assez mais finalement il y en a over trop puis tu sais il y a quand même 5000 petites billes là-dedans fait que faut vraiment que je contrôle ça fait que j'ai hâte qu'elle se réveille dans le fond de sa sieste voyons excusez c'est genre Amazon qui m'envoie là, des trucs pour me dire que mes choses sont livrées donc c'est ça fait que j'ai acheté ça fait que j'ai hâte qu'elle se lève de sa sieste pour qu'elle essaye ça j'ai acheté aussi des pots de peinture à l'eau. Parce que, tu sais, elle a comme de la peinture, mais à l'eau, mais comme, tu sais, des genres de petits... pas des copes, là, mais en tout cas, c'est dans un genre de plateau. Je trouve que c'est difficile. Je trouve que ça se manipule pas bien là-dedans. Fait qu'au moins, là-dedans, on va pouvoir faire des mix de couleurs. Puis, ouais, j'ai hâte qu'elle expérimente la peinture parce qu'elle a jamais vraiment fait de la peinture encore. Fait que, voilà ce que j'ai acheté aussi. Voyons, Colin de Bin. J'ai acheté, sans la niaiseur, mais j'ai acheté une poche de riz, genre 1 kg, je pense. 1,6 kg. Puis, je vais, dans le fond, là, je vais mettre de la couleur dedans. Fait que ça va être comme un bac. Puis, je vais mettre, j'ai acheté ça ici. Fait que c'est des petits animaux. Fait que je vais mettre des animaux comme ça dedans. Puis, elle va pouvoir, comme, aller jouer. Pour remplacer la fameuse farine, c'est froid, je sais pas si c'est la première fois que je touche à ça, je sais pas qu'est-ce que ça fait là, en tout cas. Ça s'appelle du sable magique, ils disent. Le sable qui coule comme par magie, mais ça fait pas de dégâts. Fait que je pense que ouais, ça va être une autre affaire qui va être le fun, je pense, à essayer. Ça a l'air que ça se manipule bien puis ça fait pas de dégâts. Okay. Suivre. Fait que ça ressemble à ça, mon petit colis. C'est pas trop excitant pour vous, mais en tout cas, si vous êtes des mômes, vous me comprenez, là. Fait que je vais tout
tout et de patenter ça tantôt. Puis je vais vous montrer sa réaction face à ce qu'elle va toucher. Puis c'est ça, les autres colis que je m'étais acheté, c'était un porte-brosse à dents, puis mon fameux support mural. Puis là, je suis vraiment déçue parce que mon frère était censé venir. Qu'est-ce que tu as dur, toi? Mon frère était censé venir. Maybe. Pour mettre ma TV. Et finalement, il m'a choqué. Parce qu'il s'est couché tard. Probablement qu'il jouait à Warzone. Ça, c'est une maladie de gars, Warzone. Mon chum aussi, il a cette maladie-là. Quand il tombe sur ce jeu-là, là. Oh! Seigneur! Et en plus, là, je sais, Brandon Smith, je te vois souvent, tu fais souvent des posts, des stories, là, de ton Warzone. Faudrait que j'aille un talk avec ta blonde. Bref, fait que c'est ça. Fait que voilà mes petits colis. Moi, j'étais toute excitée. Puis, je sais pas si vous autres vous êtes excités, mais moi, je suis OK. C'est ce qui compte. Fait que ça, c'est mon petit positif à moi de la journée, OK? Fait que je vais aller mettre de l'eau dans mes petites bibilles, dans mes petites billes en fait. Puis je vais vous montrer sa réaction tantôt. Tu vas-tu boire? Viens. Viens boire. Que tu mets tes mains dedans? Tu mets tes mains dedans? Oh! C'est quoi ça? Oups! Mets dedans! Oups! Oh non! Oh non! Viens mettre tes mains dedans comme ça. Mets les mains dedans! Ben finalement, elle préfère les petites billes. J'ai essayé le sable, mais c'est pas full fructueux. Moi, pourtant, j'aime ça, le café là-dedans. Mais elle a aimé les petites billes. La seule affaire, c'est que quand il y en a une qui part, elle rebondit. Fait que je sens que je vais souvent courir après. Il va falloir que je fasse attention pour pas que le chat et le chien jouent avec ça parce que j'ai. Je sais pas si c'est toxique pour eux. Bref, fait que c'est ça. Fait que c'est le petit jeu qu'elle a. Qu'elle aime, mais c'est correct. Le but, c'est justement de faire une coupe de type de bac sensoriel pour la faire découvrir des choses. Fait que je suis contente. Je suis contente qu'elle apprécie quand même. Puis là, regarder les petits animaux. Puis là, elle va explorer. Et Coco, lui, ça n'a pas l'air facile, hein? Ouh là 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 là!